Ben? Oh. Y'a quelqu'un? Oh. Et alors? Oh, Cédric, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends moi pour le tournage, l'épisode 5. Ça y est, c'est maintenant? Ça commence. Mais tu m'as retrouvé comment? J'ai mis un tracker sur le fourgon. Ah, il est bon celui-là. Ah, vas-y, attends, viens, on se fait un café, attends avant là. Ah, avant d'y aller. Oui, carrément, ouais. Merci. Voilà, monsieur. Ça va faire du bien, ça. C'est ça? Ainoa, moi je suis Ben de Chien Vif. Okay. Comment ça va? Surfeur pour mes tableaux du coup. Ouais, cool. Je vous fais faire un petit tour d'atelier. Allez go. Voilà, bah ça c'est la salle de chef. Là je suis en train de faire un modèle performance là que vous connaissez, parce que vous surfez je pense habituellement. Ok ouais. Et donc là bah, c'est là où tout commence, la planche est là, elle prend forme. Et une fois qu'elle est shapée et signée, elle passe dans l'autre salle. Ok. Ici. Avec le chef du shaper et la salle de résine, on lui redonne la forme, finition, une fois que, comme vous l'avez dans les mains. Moi là j'ai 2 heures de libre, ça vous dit on va faire un petit surf? Allez. Ouais, carrément. Chaud. Allez, il fait bon en plus. J'enlève le masque et on y va. Mais d'abord elle a l'air cool, hein, c'est... Tout ce qui surfe tout le monde. Ouais, mais je pense que ça se surfe pas. Enzo est là, mais jure que par le swallow. Bonjour. Ben, bonjour. Enchanté. Cédric. Bienvenue à l'atelier. Merci. Ah, ça a du bruit derrière. Ah. Bonjour messieurs. Bonjour. Et vous êtes qui? Bah, c'est moi, c'est Steve. Ah, exact. Moi Steven. Enchanté. On est venu en renfort. Salut. Ça va? Ça va. Salut. Ça va. Salut. Salut. Enchanté. Merci Steven. Pour l'accueil. On s'est dit qu'un petit renfort, ça serait bienvenu. Ce serait pas mal. Bienvenue à l'atelier autonome. Yes. Donc ici, on est spécialisé plutôt dans l'aménagement de véhicules. Et
Là, principalement, maintenant, on a ouvert pour proposer de l'accompagnement à l'aménagement pour les personnes qui voudraient aménager eux-mêmes leur véhicule. Hop. Voilà le bébé. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bon, on y va alors. C'est parti. Allez, go. Il y a deux tréteaux à faire pour que Ben puisse poser ses planches de surf pour les shaper. Est-ce que ça vous dit de bosser avec lui pour voir comment les faire le design avec lui, quoi, puis les fabriquer, quoi. Carrément. Ouais. Allez. Allez. Du coup, moi, j'ai besoin de visuellement, ça va faire deux U pour pouvoir mettre une planche de surf sur la tranche et pouvoir la mettre aussi à plat. Il faut ici, alors ça va. Donc de là, il doit avoir 20 cm alors. Ouais, c'est à peu près ça. Non, moins. Le plateau pour le plan de travail a été fait en chaîne avec des planches collées entre elles et découpées à la scie sauteuse pour faire l'ouverture pour l'évier. Donc là on vient de poser l'évier réchaud sur le plan de travail. On va le fixer sur le plan de travail sur des tasseaux qui sont fixés sous le plan de travail en chaîne. Ça se rabatte, clac, donc puis je tout ranger. Ouais, ouais, d'accord. Pour slider à l'intérieur. Donc, une charnière là. Avec une charnière piano. Ouais. S'il finit presque ici à Ross, c'est bien. Mais attends, non, parce qu'il va mettre des mousses. On va percer ici, on va percer de part en part ce petit morceau qui lui sera fixé là. Tac. On mettra le tourillon et ça évitera que ça fasse ça. En dessous là, un insert. Voilà. Alors nous allons procéder à la pose du panneau solaire. Donc pour ce faire, on va positionner notre panneau solaire sur le toit du fourgon. On va faire un masquage au scotch du toit pour repérer l'emplacement. On va venir égrainer légèrement le toit pour faire une accroche pour la colle. Dégraisser tout ça à l'acétone, attendre 5-10 minutes que ça sèche et on viendra appliquer la colle sur le toit et positionner notre panneau solaire. Donc là je suis en train de repérer l'endroit où je vais faire passer mon câble de panneau solaire. Pour éviter de choper le jus au câble du panneau solaire, on a installé un carton sur le panneau solaire pour qu'il ne prenne pas la lumière du soleil. Avec mon plus et mon moins avec mon moins. Merci monsieur. Parfait. Depuis ce matin, on est là-dessus là, mais... C'est quoi ? Ça sert à quoi en fait ? Final en fait, mais... C'est une très bonne question ça. Eh ben, c'est un rack qui va me servir à... Là on a mis une planche finie, mais c'était pour voir un peu ce que ça donnait. Et après on va pouvoir... je vais pouvoir mettre mon pain de mousse et moi pouvoir bosser sur la planche pour tailler le pain de mousse. On fait quoi maintenant ? Parce que voilà... Eh ben, on va attaquer les portes à la cuisine. Thank you.
Donc on a mis cette petite fermeture là, on l'avait mis dans l'autre sens. On l'avait retourné dans l'autre sens, ce qui permettait d'avoir tout ce plat là pour venir mettre ça en appui. Parce que si tu mets ça vraiment dans le sens définitif, bah t'as rien pour t'appuyer quoi. T'es à l'à peu près, t'as juste ce petit rebord là qui permet de venir caler ça. Ceci est une douchette avec interrupteur. C'est ça qu'on va encastrer dans le meuble cuisine. Là, je vais installer l'indicateur de tension batterie et une prise double USB sur le meuble cuisine au niveau de la porte d'entrée, et à côté je viendrai installer un interrupteur pour les lumières également. Donc là on a laissé un câble en attente au niveau de la colonne. On va y raccorder une prise de 120 volts qui sera reliée au convertisseur, et ça permettra de recharger tout ce qui est batterie métabo. Bon, c'est sympa, hein? Ouais. Hein? Franchement, ouais. Pas mal, hein? Je suis content de l'avoir fait. Bah ouais. Bon, ça y est, c'est fini, les gars? Ouais, bah allez voir. Terminé? Bon, bah nickel, parfait ça. Ça vous plaît? Okay. Bah écoute. Parfait ça. Tout fonctionne. Tout est fini. C'est bon, on voit la fin. Ah, c'est trop cool de voir enfin l'avancement du truc là, le voir un peu fini comme ça, c'est énorme. Le final est bien, ouais. Ah, par rapport au début, ouais. Ça n'a rien à voir. Ah bah ouais, il n'y avait rien quoi. Bah c'était vide, ouais. Ouais. C'est clair. Complètement, ouais. Bon bah du coup, tu nous emmènes faire un tour. Allez, c'est parti. Ça y est, le Cédric. Nickel. On a fini. Ça y est, enfin. C'est bon, ça. Cool. T'es content? Parfait, quoi. Ouais, ouais, trop bien. Il est trop beau, le van. Il est super bien fini, hyper fonctionnel. Tout est bien fait. Et d'ailleurs, merci à tout le monde, tous ceux qui ont participé, les artisans autour de France et Métabo qui nous a permis de faire ce projet. Donc voilà, ça y est, ça touche à sa fin. Et on est super content et on remercie encore tout le monde. Merci pour tout, les amis. Ciao. Pas mal quoi. Ouais.